On a toujours un petit peu de fatigue puisque voilà, on l'a bien intégré depuis qu'on est arrivé avec le staff, avec la sélection d'Haïti. Les voyages sont quand même éprouvants pour toujours et c'est bien normal puisqu'on fait de longs voyages avec des connexions. Voilà, on va dans des pays qui sont plutôt lointains pour certains. Donc aujourd'hui, c'est surtout un petit peu de fatigue, mais on avait fait l'effort avec la fédération de planifier cette arrivée bien en amont du début de la compétition, puisque des équipes vont arriver que vendredi ou même samedi, et nous on est arrivé dès le mercredi soir. Donc voilà, on est fatigué, mais on sait qu'on a le temps de bien récupérer avant le début de la compétition. Avant d'arriver à Monterrey, où va se jouer cette compétition, et vous avez été avec votre équipe au Costa Rica. Comment ça s'est passé? Oui, un bon stage au Costa Rica, difficile, avec beaucoup de travail. Voilà, de nombreuses séances dans un climat qui était déjà assez chaud, proche du Mexique, même si c'est beaucoup plus humide et que le Mexique est un petit peu plus sec. Voilà, mais bon, les conditions ont été bonnes. On a eu très bonnes conditions d'entraînement, très bonnes conditions d'accueil aussi au Costa Rica, ce qui nous a permis de vraiment aller puiser dans les dernières ressources, puisqu'on a fait beaucoup de séances, on a eu un petit peu de fatigue, ce qui s'est traduit un petit peu à travers nos matchs amicaux aussi. Justement, les deux matchs amicaux, vous avez perdu la première rencontre et remporté la deuxième, et l'historique de ces deux matchs. Mais on est arrivé sur le premier match avec un long moment déjà sans jouer de match ensemble, avec de nouvelles joueuses, après un gros travail athlétique et physique. Donc voilà, la première mi-temps a été très difficile pour nous sur ce premier match. Et après, on a repris un petit peu les choses en main. Et j'ai envie de dire qu'on s'est amélioré mi-temps par mi-temps lors de ces deux confrontations, puisqu'on a été très en difficulté la première mi-temps du premier match. Ensuite, on a relevé un petit peu la tête au deuxième match. Et puis, les deux mi-temps du deuxième match sont quand même assez aboutis, avec une victoire 4-2. C'est quand même pas rien. Je crois que c'est une des premières fois qu'Haïti bat le Costa Rica en senior, si je me trompe. Avec à la clé, sur les deux matchs, 5 buts marqués et puis 3 encaissés. Donc on est plutôt satisfait de ces matchs amicaux. On voulait une montée en puissance. Donc c'est le cas. Voilà, on est de mieux en mieux. Maintenant, il faut concrétiser sur cette compétition où le premier match est déjà très, très difficile pour nous. On a eu des erreurs à corriger, des points forts à améliorer? Oui, bah, je crois qu'on se cherchait un petit peu sur le premier match, dans la stratégie à mener avec ce groupe, dans l'état de forme du groupe aussi. Et je crois qu'on s'est mis d'accord, on a trouvé la bonne voie ensemble pour corriger tactiquement les choses. Bon, sur les phases arrêtées, tout le monde l'a vu, puisqu'on a pris 2 buts sur corner, mais il y avait plus que ça à corriger. Et je crois qu'on est sur la bonne voie, les filles commencent à comprendre ce qu'on veut faire. On comprend les choses ensemble, on volait dans la même direction et je crois que bah voilà, mener 3-0 au bout de 50 minutes contre le Costa Rica, qui est quand même quelques places au-dessus de nous au niveau du classement FIFA, ça montre qu'on a compris et qu'on va aller dans la même direction ensemble. Trois nouvelles joueuses sur votre direction, Claire, Whitney et Dalina, et ça s'est bien passé pour elles? Oui, très bonne intégration. Je crois qu'on regarde toujours les joueuses qui peuvent rejoindre la sélection. On l'a dit, la sélection elle est ouverte à tout le monde. On est en connexion avec beaucoup de joueuses. Et Claire et Rutny, voilà, étaient des joueuses qui avaient déjà montré l'envie de revenir avec la sélection. Donc Rutny, elle, avait déjà fait des matchs. Et c'est quelqu'un qui connaît déjà beaucoup de monde. Claire, c'est un profil qu'on a étudié, qui joue aux États-Unis, qui a un papa haïtien et qui souhaitait rejoindre la sélection. On a visionné beaucoup de vidéos et elle s'est intégrée très très vite dans notre collectif, à la place de défenseur central droit. C'est vraiment très intéressant l'intégration, puisqu'elle est très rapide. Elle a compris les choses très vite, donc top. Top pour nous. Et puis enfin, bah, une jeune joueuse, on essaye toujours d'intégrer une jeune joueuse à chaque sélection. Donc voilà, pour ce stage, c'était Darina Joseph qui nous rejoint au poste d'attaquante, un peu polyvalente puisqu'on l'a utilisée dans le stage à plusieurs postes, mais elle a répondu aussi présente sur ce stage. Oui, on a
Bah, on travaille avec le staff parce que c'est vrai que autant sur les gardiennes, avec l'entraîneur des gardiens ou sur mes adjoints, avec mes adjoints sur tous les profils qui nous sont proposés. Là par exemple pour ce stage au Costa Rica, on a étudié à peu près une dizaine de profils supplémentaires qui n'ont pas encore rejoint la sélection d'Haïti. Voilà, on est très attentif, on regarde beaucoup de vidéos aux États-Unis, mais aussi jusqu'en Russie. Puisqu'on a eu un contact direct avec notre attaquante haïtienne qui est en Russie, mais qui malheureusement est bloquée par ses examens de fin d'études. Autrement, je pense qu'elle aurait rejoint le stage de préparation au Costa Rica. Donc on est attentif à tout le monde. La sélection n'est pas fermée, à l'image de Claire, qui fait sa première sélection et dont on est très content. Donc on est très attentif, tous les profils ont leur chance et c'est une richesse pour la sélection aussi d'avoir tant de demandes pour venir nous rejoindre. Coach, ça c'est une surprise, et vous me parlez de cette attaquante qui joue en Russie et vous avez eu des contacts avec elle, c'est un problème d'examen, c'est, oui, tout elle, à fait. Elle n'est pas avec nous. Tout à fait, on l'avait déjà eu sur le stage de février, donc nous on est en contact avec elle depuis déjà 4 mois. Pour voir son intérêt pour la sélection, voir ses performances aussi, puisque c'est une joueuse qui joue en futsal, qui joue également sur le grand terrain, avec réussite en ce moment avec son club. Donc il y a un de mes adjoints qui est en connexion avec elle, qui l'a eu, et effectivement, elle valide un diplôme de fin d'études à l'université, qui demande une soutenance en présentiel. Et ce présentiel se faisait cette semaine sur le début de la compétition à Monterrey. Donc il y avait une incompatibilité pour ce stage, mais... les liens sont faits, les connexions sont faites, donc on peut penser que dans les prochaines sélections, on pourra voir apparaître à nouveau de nouvelles joueuses. Là, on est arrivé à la liste des 23 et une joueuse importante et vous manque, c'est Danielle Etienne. Comment vous faites pour compenser ça? Ça a été difficile pour nous quand on a reçu le message de Dani, parce que c'est un élément qui est performant sur le terrain. Qui est très appréciée dans le vestiaire aussi par les autres joueuses. Donc c'est une grosse perte pour nous, pour ce stage. Donc on a réfléchi depuis de longues semaines à la polyvalence d'autres joueuses pour pouvoir pallier à ça. Donc en même temps, le stage au Costa Rica nous a demandé aussi de trouver un nouveau 11 de départ. C'était pas évident parce qu'en plus du travail tactique, en plus du travail physique, il fallait rebattre les cartes un petit peu au milieu. Donc, sur les deux compositions des deux matchs, vous avez vu qu'on n'a pas changé. Parce que comme il y a déjà beaucoup de changements avec l'arrivée de joueuses, avec la blessure d'autres, on veut un 11 qui est plutôt stable. Donc on a replacé Jennifer Limage au milieu de terrain, défensif, accompagnée de Shirley jeudi qui redescend d'un cran un petit peu et qui a cette connaissance tactique aussi du système qu'on veut mettre en place. Avant d'arriver à la compétition, on en parlera un peu plus tard. Et le reste de la préparation, là vous allez peaufiner quand même la préparation pour la compétition. Oui, c'est ça, la récupération pendant 2 jours, aujourd'hui et demain. Aujourd'hui étant un jour doublé puisqu'on avait une petite séance ce matin de mobilité articulaire et on aura une petite séance de travail technique remise en route ce soir sur le terrain. Et demain sera un jour complètement off où on se concentrera sur l'analyse tactique et la vidéo. De nous et des adversaires, voilà, mais un jour off en tout cas physique. Et ensuite on aura 2 séances de préparation et un petit peu de peaufinement tactique samedi et dimanche avant d'affronter les États-Unis lundi soir. Merci beaucoup. Non, je crois qu'on est prêt. La réaction des filles a été assez unanime quand il y a eu le tirage au sort. C'était de travailler encore plus pour être meilleur, je crois, contre ces équipes. Et c'est un petit peu ce qui se dégage de l'équipe. Quand on discute avec les filles, elles se disent qu'effectivement, il y a quelques années, elles avaient aussi eu les États-Unis pour la qualification aux Jeux Olympiques. Et c'était plutôt un sentiment de crainte ou de peur qui avait habité un petit peu l'équipe. Alors que là, on se dit que tout est possible. On est dans cet esprit-là de renverser un petit peu les choses qui sont faites. On sait aussi, il faut rester lucide, que les États-Unis sont une machine à gagner, hein, puisque personne ne leur résiste. Donc, on sait qu'on a quelque chose à jouer et que, quel que soit le résultat, cette entrée en matière
donnera un petit peu le ton des deux matchs suivants, puisqu'on enchaînera par le Mexique, qui est une nation quand même qui est toute proche des meilleures nations mondiales. Et qui joue à domicile. Hein. Et qui est à domicile. Donc là aussi un gros morceau. Et puis la Jamaïque pour finir au dernier match, qui a connu le mondial il y a 3 ans en France. Donc qui est aussi une équipe expérimentée, qui a beaucoup de joueurs qui jouent en Europe aussi, qui est bien classée aussi au niveau mondial. Donc voilà, on sait qu'on a trois beaux matchs à jouer. Les filles sont prêtes, mais on sait aussi qu'on est capable de renverser les choses qui sont établies. Donc on est là pour ça. Vous allez jouer quoi? La qualification? Une bonne participation? Nous, c'est notre groupe et l'enchaînement des matchs est assez simple. C'est-à-dire qu'on joue les deux premières places et la qualification directe. Et pour ça, il faut des résultats sur les premiers matchs. Voilà. Et puis on sait que jusqu'au dernier match, il y aura encore peut-être la qualification au barrage, qualification indirecte à jouer. Sur le dernier match, puisque ça sera un Jamaïque-Haïti et tout sera encore possible. Donc c'est vrai que pour nous, l'ordre des matchs et le calendrier, il est juste parfait, puisque chaque match aura un enjeu. Et dans chaque match, on aura quelque chose à aller chercher. Donc il n'y a pas mieux pour un entraîneur pour la motivation de ces joueuses. Que vous rapporte donc le staff médical, il n'y a pas de blessés et tout. Non, c'est plutôt une satisfaction. On a des petites alertes forcément, mais pour l'instant c'est plutôt un point positif. Voilà, il y a très peu de petits pépins malgré le nombre très élevé de séances et les deux matchs faits en 48 heures de repos. Donc ça aussi c'est un point plutôt positif et des feux qui sont ouverts avant le début de la compétition. C'est un grand amour qui se dégage pour la sélection nationale féminine. Les commentaires sur les réseaux sociaux et montrent que les Haïtiens sont attachés à cette équipe. Vous avez un message pour eux? Oui, on les voit hein, de partout. Il y en avait encore quelques-uns au Costa Rica qui sont venus nous soutenir malgré la défaite sur le premier match. Donc c'est vrai qu'on est... on est toujours fiers de représenter le pays. On espère qu'il y en a quelques-uns au Mexique, mais en tout cas, on donnera le maximum, ça c'est sûr. Et il n'y a pas d'autre choix que ce soit pour la sélection. Mais les filles sont très attentives et elles savent, je peux vous le dire, elles sont conscientes qu'elles représentent le pays et qu'elles ont aussi cette force supplémentaire avec les supporters qui sont de partout. Merci beaucoup.